Mais pour moi, en fait, c'est pas ça. C'est que si à un moment donné j'en suis là, c'est que c'est grâce à la latéralité. Je ne cracherai jamais sur ça, en fait. C'est juste que, bien sûr, être une fille de latéralité, c'est pas compatible avec une activité de blogueuse parce que les marques, voilà, c'est mal vu. Et honnêtement, je te dis la vérité, je comprends toujours pas Moi pourquoi. non plus. On n'est pas des parias non plus. Ah Après, ben c'est ouais. juste qu'il y a, voilà, il y a trop, oui, bien sûr, il y a trop de placements, trop d'un coup, trop les mêmes marques. Et ça c'est sûr et certain. Mais après, demain, voilà, j'ai une interview, on me dit alors, latéralité, oui, d'accord, mais c'est moi, ça a été une partie de ma vie. Ça a été, Vraiment, ouais, enfin, c'est vrai. après, ta Renée Receveur, elle a pas fait longtemps, tu vois. Moi, ça a été une partie de ma vie. Pendant 5 ans, j'ai fait ça. J'ai grandi avec le public. Je veux dire, Non, voilà, j'ai elle. commencé à 21 ans. Mais non, c'est vrai que moi, non, je cracherai pas sur ça. Jamais je cracherai sur la réalité. Parce que je pense que ça peut ouvrir beaucoup de portes. Et voilà, et pourquoi j'en suis là aussi maintenant, où il y a autant de gens qui me suivent et tout, c'est pour la télé. Quand tu es une blogueuse, d'avoir des followers comme ça, c'est d'autant plus gratifiant. Et c'est vrai que si j'avais pas eu la télé, j'en aurais pas eu comme ça. Donc après, à un moment donné, non, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je cracherai jamais sur la réalité. Sinon, je l'ai toujours dit. Là, au moment où on parle, t'es à Londres, on est d'accord, hein? Oh oui, Sharon. Ça fait quelques mois maintenant que t'es à Londres. Ouais, Comment tu le vis? 4 mois. Tu Ah, t'es je vis trop bien, adapté? moi. Ah ouais, totalement. C'est Bah vrai? après, moi, c'est une ville que j'ai toujours aimée. Donc déjà, je l'ai beaucoup visitée étant jeune. Parce que c'est vraiment ma ville que j'ai adorée depuis que je suis jeune. Donc du coup. Et puis, honnêtement, on n'est jamais seul avec Théo. Je dis la vérité, Théo, avec un petit studio, là, on s'est pris un appart plus sympa. Je veux dire, c'est notre chez nous. Moi, c'est mon premier chez moi. Je n'étais jamais partie de chez ma mère. Et je n'y retournerai plus, d'ailleurs. Je l'aime, ma mère, mais plus jamais. Hein, voilà, me réveiller, le ménage, pas le ménage. C'est bon, tranquille, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Mais non, j'aime la ville londonienne, honnêtement. Et puis, sans te mentir, déjà, je redescends quand même assez souvent dans le sud. Donc ça va, je vais pas rester 3-4 mois sans voir ma famille, c'est impossible. Donc ça, y a pas de souci. Et puis Londres, c'est vraiment une chouette ville. Et puis honnêtement, on n'est jamais trop seul avec Théo. Il y a toujours, là, il y avait ses parents, il y avait mon petit frère, il y avait ma mère qui est venue. Donc c'est vrai qu'on est, voilà, je suis pas trop dépaysée, quoi. Est-ce que vous parlez avec Théo de mariage, d'enfant, ou est-ce que c'est tabou, ce sujet? Ah non, c'est absolument pas tabou. Alors le mariage, il est pas trop pour, mais je pense que je peux le faire changer d'avis. Ah, bah oui, toi forcément, t'as envie. Ben alors, honnêtement, je te dis la vérité. À la base, j'étais pas du tout une fille accro au mariage. J'étais Ouais. même contre. Mes parents, ils ont divorcé. J'avais pas une très bonne image du mariage. J'ai dit jamais je me marierai. Et un jour, j'ai fait une petite photo en robe de mariée. Ouais. Et une robe de princesse. Et là, j'ai dit, je suis obligée de me marier. Ah, bah tu Voilà, t'es maintenant, projetée? ouais, je me suis projetée. J'ai dit, allez, je suis obligée. C'est vraiment, c'est vrai que c'est une belle journée. Après, je te dis la vérité. Pas maintenant. Ça va faire un an qu'on est ensemble avec Théo, mais c'est pas non plus un impératif. Je pense plus à avoir un enfant que me marier. Ah, tu penses que tu auras un enfant avant de te marier? Ben, j'en sais. En fait, je sais pas. En fait, pour le moment, on n'est pas du tout dans cette optique. Après. Mais tu cherches pas à tomber enceinte, c'est ce que je veux dire. Non, non, en plus, ça, je sais pas, en ce moment, il y a eu plein d'articles comme quoi j'étais enceinte. Alors, ben, pas du tout, vraiment. Vous vous trompez? Non, pas pour le moment. Non, non, j'aimerais avoir des enfants. On en parle, bien entendu. Ben, ça fait un an qu'on est ensemble. J'ai 26 ans, il a 25. Je veux dire, c'est des choses qui parlent. Et ça me dérangerait pas que ce soit le père des enfants, quand même. Mais ouais, plus dans 3-4 ans. Ah, vers les 30 ans alors. Oui, voilà. Vers les 30 ans, je pense que c'est bien. Je pense que, voilà, avec Théo, elle aime beaucoup voyager. J'aimerais profiter, quand même, ben, voilà, de mes voyages avec lui et de ma vie avec lui avant d'avoir Eh des ben enfants. t'as raison, hein.